prends le loup, prends le loup, prends le loup, prends le loup, prends la clap, 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 prends la dent, prends la dent, prends la dent, prends la dent. Alléluia. La victoire est là. La victoire est là. Si tu as Jésus-Christ, la victoire est là. Si tu n'as pas Jésus, la victoire n'est pas là. Oh, la victoire. La victoire est là. Ça, c'est vrai, mon frère, ma soeur. La victoire est là. Si tu as Jésus-Christ, la victoire est là. Si tu n'as pas Jésus, la victoire n'est pas là. Oh, la victoire est là. La victoire est là. Si tu as Jésus-Christ, la victoire est là. Si tu n'as pas Jésus, la victoire n'est pas là. Oh, la victoire. La victoire est là. Oh, la victoire. La victoire est là. Si tu as Jésus-Christ, la victoire est là. Si tu n'as pas Jésus, la victoire n'est pas là. Oh, le succès est là. Le succès est là. Si tu as Jésus-Christ, le succès est là. Si tu n'as pas Jésus, le succès n'est pas là. Oh, le succès. Le succès est là. Oh, le succès. Le succès est là. Si tu as Jésus-Christ, le succès est là. Si tu n'as pas Jésus, le succès n'est pas là. Oh, l'amour est là. L'amour est là. Si tu as Jésus-Christ, l'amour est là. Si tu n'as pas Jésus, l'amour n'est pas là. Oh, l'amour. L'amour est là. L'amour est là. À Jésus, il y a tout. Si tu as Jésus-Christ, l'amour est là. Si tu n'as pas Jésus, l'amour n'est pas là. Oh, l'amour est là. L'amour est là. Si tu as Jésus-Christ, l'amour est là. Si tu n'as pas Jésus, l'amour n'est pas là. Oh, l'amour. Jésus, l'amour n'est pas là. Si tu as Jésus-Christ, l'amour est là. Si tu n'as pas Jésus, l'amour n'est pas là. Si tu as Jésus-Christ, la victoire est là. Si tu n'as pas Jésus, la victoire n'est pas là. Si tu as Jésus-Christ, la victoire est là. Si tu n'as pas Jésus, la victoire n'est pas là. Si tu as Jésus-Christ, le succès est là. Si tu n'as pas Jésus, le succès n'est pas là. Si tu as Jésus-Christ, le succès. Oh, si tu as Jésus-Christ, la réussite est là. Si tu n'as pas Jésus, la réussite n'est pas là. Si tu as Jésus-Christ, la réussite est là. Si tu n'as pas Jésus, la réussite n'est pas là. Oh, si tu as Jésus-Christ, le bonheur est là. Si tu n'as pas Jésus, le bonheur n'est pas là. Si tu as Jésus-Christ, le bonheur est là. Si tu n'as pas Jésus, alléluia, le bonheur n'est pas là. Si tu as Jésus, mon frère, ma soeur, Jésus-toi, car l'amour, la victoire, le succès, toutes ces choses sont en partage. Alléluia. Dis-moi. Jésus, Jésus, Jésus. Il est comme ça. Jésus, Jésus, Jésus. Il est comme ça. Il est comme maman. Il est comme ça, ça, ça. Il est comme maman. Il est comme ça, ça, ça. Jésus, Jésus, Jésus. Il est comme ça. Jésus, Jésus, Jésus. Il est comme ça. Il est comme maman. Il est comme ça, ça, ça. Il est comme maman. Il est comme ça, ça. Alléluia. Mansa la baba. Seigneur, maman, Congo, mansa mole, le couloir sa mère. Le couloir ta mère.
Jésus, you la capacité.
le comme ça. Jésus le roi. Cela reçoit ce que tu veux pour Jésus ce matin. Amen. Nous allons maintenant écouter les différentes chorales qui vont se succéder. Nous allons d'abord écouter la chorale des jeunes, la chorale des ados, la chorale des enfants, et enfin la chorale de nos mamans. Que Dieu vous bénisse. Quoi qu'il m'arrive, dans le feu.
Ma che sembra ieri
les bassins, tous à bas. Tout ça va, Jésus, Ouraïga, Bison, Aïe, Aïe, la Bison, Aïe, Aïe, pas les bassins, tous à bas. Tout ça va, Jésus, Ouraïga, Bison, Aïe, Aïe, la Bison, Aïe, Aïe.
quelque chose à faire dans la maison du Seigneur. Somantala tourne Wondora pour. Amen. Mina. Nous allons maintenant rester dans le calme, le silence. Inazina si mosa. Pour écouter le pasteur Eli qui va nous donner un court message sur la Sainte Seine. Quel est le pasteur Eli n'a encore pas dit que quoi est qui est né sur la terre d'Ima. Nous voyons toujours la table, mais certaines personnes ne savent pas ce qui c'est. Mais table aux quatre fins d'année, vous serez comme il est devant lui. Alors, pasteur Eli va nous développer cela. Il y a une question qui a été posée dans Zacharie 13, le verset 6. Zacharie, pile à table avec ça, vas-y, soclap, socbene. Cette question est une question qui est vraiment embarrassante. La socan, c'est à soc, c'est à tous. Qu'est-ce que ces blessures que tu as aux mains? Il y a pas un peu de fou. Et la réponse est, c'est que j'ai été frappé dans la maison de ceux qui m'aimaient. Dans les années 480 avant Jésus-Christ, Dieu a révélé à son serviteur, le prophète Zacharie, la passion de Christ. Tout ce qui s'est passé se résume en ces questions. Quelles sont les blessures? Quelle est la signification des blessures que tu as reçues entre tes mains? Et la réponse a été qu'il a été trahi. Et nous revenons à la scène du Seigneur quand il l'a présenté à ses disciples. Et que la Bible nous dit qu'après avoir fini de manger, il a pris le pain et a expliqué pourquoi il prend le pain. Il a dit que ce pain-là symbolisait, signifiait, représentait son corps. Et ce corps a souffert. Et on emploie le texte, le terme brisé. Toutes les parties possibles de son corps a subi la rage de la souffrance. Il a été battu, flagellé jusqu'à ce qu'il saigne. Voilà pourquoi dit cela représente son corps qui a été brisé pour vous. Et brisé pour vous à ce moment-là est perpétuel. Et pour les disciples qui étaient là-bas, pour ceux de la première église, pour ceux de cette église maintenant de nos jours, et pour ceux des églises de l'église qui vient après nous, le geste sacrificiel de Jésus est valable de génération en génération. Et quand il s'est saisi de la coupe, il a dit que cette coupe symbolise son sang qui est versé pour sceller une nouvelle alliance. Cela veut dire que Jésus nous introduit dans l'alliance qu'il traite avec Dieu et les hommes. C'est que j'étais frappé dans la maison de ceux qui m'aimaient. Et c'est parce qu'il a accepté cela, puisqu'il n'a pas considéré son confort, que nous aujourd'hui nous sommes appelés des enfants de Dieu. Et cette célébration de la scène nous renvoie à ce que nous ayons
en mémoire ce que le Seigneur a fait pour nous. Puisqu'il dit, faites cela en mémoire de moi. Et bien, nous, ici rassemblés dans cette église, nous nous rappelons que le Seigneur a souffert à notre place. Que son corps a été brisé pour nous. Que son sang a été versé pour nous. Et qu'il nous invite à être responsable. La bonne tonton n'enga yikinyal. Responsabilité dans notre foi. La tourne n'embe ton tiwa pouga. Responsabilité dans notre engagement. Tourne ton yamnyak la pouga. Dans notre responsabilité dans notre vie quotidienne. La ton beufa vie ma pouga. Faudra que les gens qui nous regardent. Ya tilet nem nising jet ton. Ceux qui nous observent puissent savoir. Abra nising gelada jet ton na tomba. Que nous sommes différents. Ton wele ga tole. Différents dans nos paroles. Wele ga tole. Différent dans nos actions. Différent dans notre amour. Parce que nous sommes en train de répandre l'amour de Christ autour de nous. Alors ce matin, nous répétons cette scène. Et nous disons à nous-mêmes, je dois de plus en plus ressembler au Seigneur. C'est ainsi qu'il nous est demandé d'entrer à nous-mêmes et de faire un sondage et de nous poser des questions et d'apporter avec l'aide de Dieu la réponse aux questions posées. Nous devrions demander à Dieu de venir marcher avec nous, de venir nous rendre capables d'être positif. Nous devons aussi savoir que nous avons une mission. Et de par notre conduite dans le monde, les gens puissent se poser la question pour se dire comment je vais devenir, faire pour devenir comme vous. Comme ce géolier qui a posé la question. Comment faire pour être sauvé? Si cette question nous est posée, et si nous sommes en face de cette personne-là, nous devrions pouvoir le dire, je vis la vie du Seigneur. Je marche conformément à sa volonté. Je suis en train de refléter son amour dans ce monde. Et nous allons indiquer le chemin à la personne. C'est la mission que le Seigneur nous confie maintenant. Mais en attendant, il nous donne rendez-vous au ciel. Voilà pourquoi dès maintenant, nous allons entrer à nous-mêmes dans une prière et demander à Dieu de nous sonder, de nous purifier, de nous justifier et de nous rendre aptes à approcher sa table. Nous allons lire dans Exode 14:14. C'est bien d'avoir vos bibles. Et je suis sûr que chacun de nous connaît déjà ce verset. Exode 14:14. Qui ne connaît pas ce verset? Tout le monde connaît ce verset. Soyez bénis. C'est notre thème de cette année 2015. Exode 14:14 dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Nous sommes nés pour louer le Seigneur, pour l'adorer. Et tant que nous vivons en tant que chrétiens, nous devons l'adorer, nous devons le louer. Et dire merci pour sa grâce. Comptez ses bienfaits. Donc ensemble d'un même cœur, nous allons adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous bénis ce matin. Soyez bénis richement. Au nom de Jésus. Que tes vives eaux inondent
Tu es digne de recevoir. Jésus est digne d'être adoré. Il est digne d'être magnifique. Jésus, tu auras des warriors. Il est digne d'être acclamé. Ensemble, nous allons élever nos voix. Pour dire ce que Dieu est réellement dans nos vies. Élevons nos voix ensemble. Au nom de Jésus. Sois adoré, Papa, sois
Come
nous allons recevoir avec amour l'homme de Dieu, notre président, le pasteur, Didier Pitrapa. Gloire à Dieu. Balkwenam. Que le Seigneur soit avec nous. Zusoba zinetongo. Et qu'il continue de guider nos pas. Awenam kele kengkole ditetongo yakamfa. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Et comme nous venons de lire, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Dieu est fidèle, toujours fidèle. La Bible dit qu'il ne change pas. Il n'y a pas d'ombre de variation. Dieu reste toujours le même. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Et il l'accomplit fidèlement. Il va certainement et sûrement combattre pour nous. Il agira en notre faveur parce qu'il est Dieu. Rien ne peut le retenir, rien ne peut l'empêcher, rien ne peut faire dérouter son programme. Dieu a un programme pour chacun de nous, chacun de nous, là où nous sommes, là où nous vivons, les difficultés que nous rencontrons. Dieu a déjà son programme, il a déjà préparé son action. Et cette action, c'est pour notre bien. C'est pour nous amener à lui rendre grâce, à le louer, parce qu'il est Dieu, le Dieu fidèle et bon. La Bible nous dit, et vous, et toi, la foi, garde le silence. Je garde le silence. Il n'a pas dit, croise les bras, ne fais rien, dors, ne viens plus à l'église, parce que Dieu va faire pour toi. Non, ce n'est pas ce qu'il veut dire. Il veut dire, garde confiance que ton Dieu là va agir en ta faveur. Alléluia. Et c'est souvent là le problème. Au niveau de Dieu, il n'y a pas de problème. Parce que Dieu est Dieu. Ce qui décide va s'accomplir. Quel qu'en soit le monde, quelle qu'en soit la puissance, la tyrannie, ce que Dieu veut, il l'accomplit. Alléluia. La Bible dit que Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Alléluia. Le problème, c'est nous. Et vous, gardez le silence. C'est pas facile. C'est pas du tout facile. Il semblerait que quelqu'un a dit qu'il faudrait que Dieu apprenne à se presser. Parce que c'est difficile. Le problème est là. La difficulté est là. Et là où nous venons de lire, c'est une situation qu'a vécu le peuple d'Israël. Ils étaient face à la mer Rouge. Et il y avait l'armée ennemie qui venait. Et même ils savent que si l'armée de Pharaon arrive, si l'armée de Pharaon les gagne, c'est fini pour eux. C'est la destruction totale. Et voilà la mer Rouge. Et Dieu parle. Dieu dit, je combattrai pour vous. Gardez le silence. Alors on pourrait se poser des questions. Mais où étais-tu? Pourquoi tu les as laissés venir? Toutes ces questions n'ont pas de sens. Parce que Dieu sait déjà. Il connaît déjà la fin. Parce qu'il est omniscient. Il sait ce qui va se passer. Mais il demande à son peuple, restez calme. Gardez confiance. Restez tranquille. Gardez le silence. Parce que je vais agir. Alléluia. Et c'est pour cela, chacun d'entre nous, face aux difficultés, face aux problèmes, doit rester calme. La confiance bâtie sur Dieu. Parce que le Dieu fidèle va toujours venir à ton aide. Reste calme. Une vieille qui n'a pas encore compris ce que c'est que la Trinité. Elle a prié pour sa mère. Et
Comme c'était très difficile pour elle, elle voulait que Dieu agisse immédiatement, rapidement. Et dans sa prière, elle a dit à Dieu, viens toi-même. N'envoie pas ton fils. Vous connaissez les enfants. Il va s'arrêter en route pour s'amuser. Et puis le problème leur risque de m'emporter. Viens toi-même. C'est ce qu'elle a demandé à Dieu. Viens toi-même. Et nous sommes comme cette maman. On est si pressés qu'il y a une confusion dans notre tête. On ne sait plus. Dieu là c'est qui? Alléluia. Restons dans le calme. Restons dans le calme. Parce que c'est Dieu qui combat. Et il nous appelle à rester dans le calme. Quand Jésus était sur la terre, il y a eu des moments où il a fait des guérisons. Et il n'a pas demandé la vie de qui que ce soit. Il n'a pas demandé. Et la foi est confiante. Non, il a guéri. Pour manifester la grandeur de Dieu. Pour élever le nom de Dieu. Mais il y a eu des cas où Jésus dit, sois guéri par ta foi, tu es guéri. Il voulait avoir cette confiance. Cette confiance en nous. Cette foi que cela est, qu'il attend de nous. Et c'est ce que Dieu veut de chacun de nous. Il y a dans la vie la part de Dieu et la part de l'homme. Alléluia. Nous pouvons souvent penser et nous disons et nous nous attendons que Dieu fasse tout le travail qu'il amène à manger, qu'il prépare pour qu'on mange et qu'il n'a qu'à laver aussi les plats et qu'il n'a qu'à balayer la maison pour redresser le lit et nous allons dormir. Non, il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. Et comme je l'ai dit, Dieu va toujours jouer sa partition. Dieu fera ce qu'il a décidé de faire. Et ce qu'il attend de nous, nous devons aussi le faire. Il nous dit de lui faire confiance. Aie confiance. Aie confiance. C'est pour cela qu'il dit garde le silence. Pas parce que tu ne sais pas parler. C'est pas ce que ça veut dire. Non. C'est pour te dire tu sais en qui tu as cru. Alléluia. Tu sais qu'il agira. Il y a eu un moment où il y avait la persécution. Et on a attrapé l'apôtre Pierre. La Bible dit on l'a placé au fond de la prison. Et on l'a enchaîné là-bas. Et la Bible nous enseigne que l'apôtre Pierre était en train de dormir dans la paix. Dans la paix. En se disant que la volonté de Dieu se fasse. Je sais qu'il peut me libérer. Je sais aussi que je peux être offert en sacrifice. Il était là dans la paix, dans la quiétude, attendant ce que Dieu va décider. Et la Bible dit que Dieu a envoyé un ange. Et l'ange est allé le réveiller. Et l'ange l'a pris par la main. Ils sont sortis de la prison devant les gardes, les geôliers. Et l'ange l'a conduit jusqu'en ville. Pierre pensait qu'il était en train de rêver. Mais c'était la réalité. Et il l'a libéré. Et Pierre est parti. Et il a tapé là où étaient rassemblés les disciples afin de se présenter. Beaucoup étaient étonnés. Et croyaient déjà que c'est son fantôme. Ah, ça c'est nous les Africains. C'est son fantôme. J'ai vu son fantôme. Tu as vu quoi? Vous savez, souvent, comme dit la Bible, d'être rempli du Saint-Esprit, mais de ne pas s'enivrer d'alcool. Bien sûr.
Mais on peut être ivre d'autre chose. Si vous n'êtes pas calme, si vous n'êtes pas tranquille, si vous n'êtes pas bien posé en Dieu, dans votre connexion avec lui, vous pouvez être enivré par les problèmes. Et quand on est ivre, vous ne voyez plus bien. Et quand il y a des problèmes et tu ne sais plus quoi faire, il y a des gens qui vont aller brûler le feu. Pure. Sans s'en rendre compte. Parce qu'il est ivre. Mais ce n'est pas l'alcool. C'est les problèmes. Rien que hier, une personne me racontait ça. Que c'est une autre personne qui a klaxonné ou qui a fait quoi, et puis elle est revenue en elle-même. Parce que elle n'arrive plus à se contrôler. C'est une dame. Elle dit qu'elle peut mettre le repas, allumer le gaz, mettre quelque chose à la cuisine. Et tout d'un coup, dans sa tête, elle a tout oublié. Elle pense à ce qui se passe. Et en ce moment, et quand ça va commencer à cramer, c'est en ce moment qu'elle va s'en rendre compte que quelque chose se passait. Elle est prise par ses problèmes. Et c'est ce que Dieu nous demande. Il nous dit de placer notre confiance en lui et de le laisser agir pour tout ce qui s'ensuit. Garde le silence devant l'Éternel. Alléluia. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui parce qu'il agira. Mets en lui ta confiance. C'est pour cela notre j'allais dire notre slogan dit heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Il faut garder confiance. Quel qu'en soit le temps, quel qu'en soit le moment, le Seigneur viendra à notre. Le Seigneur interviendra et il agira pour libérer, pour sauver, pour agir afin que son nom soit glorifié. Devant les difficultés, devant les problèmes, on a toujours tendance à quitter la place où Dieu veut que soyons. On a tendance à courir. Et Dieu dit, reste en place. Gardez confiance. C'est comme je l'ai dit. Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous vienne en aide. Parce que ce n'est pas possible. Du point de vue de l'homme. Parce que quand il y a un problème, quand il y a une difficulté, nous avons tendance à courir de part et d'autre et de chercher des solutions. Et souvent, ce qui n'est même pas une solution, nous l'acceptons facilement. Parce que nous sommes embourbés. Et nous sommes dans des difficultés. Quelqu'un va te dire, vu la situation, tu vois l'injustice qu'on est en train de faire dans le service là. Il faut prendre cette queue-là. Ça va t'aider. Non, tu gardes ça. Tu mets ça de côté. Mets ça dans les tiroirs de ton bureau. Ça va beaucoup t'aider. Si tu n'as pas confiance en Dieu, si l'attente est longue et tu attends que Dieu va faire, tu pensais que c'est dans un mois et le mois a passé. Si tu ne laisses pas faire, tu peux tendre la main pour prendre la queue là, des jours, mettre dans ton tiroir, attendant que Dieu, malgré mon péché, que Dieu me fasse grâce et qu'il vienne en aide. Non, ce n'est pas ainsi. Garde le silence. Garde le silence. Aie confiance en lui. Mets en lui ta confiance. Mets ta foi sur lui. La Bible dit, attends.
Parce que la prophétie, la parole qui a été dite, ce qui a été dit sur toi, elle tire, elle est en train d'aller vers son accomplissement. Et elle s'accomplira. Donc tu dois garder confiance. Ce n'est pas facile. Surtout dans ce monde où nous vivons, où on est pressé par le temps. On veut que tout soit sap-sap. Wassa-wassa. Et puis quoi encore? La première partie. Quel est le mot? Oui, j'ai dit sap-sap. J'ai dit wassa-wassa. Val-valé. C'est ce que nous voulons. Si quelqu'un fait de l'injustice, et que ce soit peut-être dans le travail, que Dieu n'a qu'à en un clin d'œil, il n'a qu'à régler le problème. Et là, on s'est dit, ah oui, non, ce verset-là, c'est bon. J'ai vu même comment Dieu agit. Vraiment quoi? C'est quoi? On m'a fait une injustice. Oui, je devrais atteindre tel cas. Et on a voulu m'embourber. Mais Dieu ne s'est pas tué. Il a agi. Il a agi. Et il a secoué. La vie, il a. Allez, la wena pire, tous ceux qui me voulaient ma que son nom soit loué. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu agit. Ce n'est pas comme ça qu'il agit tout le temps. Comme il maîtrise le temps, c'est comme s'il n'est pas pressé. Mais il va le faire. Il va l'accomplir. Il va réaliser cela. Il ne faut pas se presser. Comme Abraham et Sarah. Ouais, Abraham et Sarah. Dieu dit, oui, non, la mère. Ta femme aura un enfant. Pas et tous ont dit merci Seigneur. Et ils ont commencé à prier. Ils ont prié. Pour ça, comme je l'ai dit, il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Ils ont fait ce qu'ils devraient faire. En tant que couple. Mais rien. La fuite. Rien. Fui. Une année. Yomde. Deux ans. Yomayi. Dix ans. Yomdiga. Rien. Fui. Sarah dit. Sarah yede. Est-ce qu'on a bien entendu? Et vous m'accueillez la chamachida. Faut prendre ma servante. Et qu'on peut ton quaka. Comme ça, on aura l'enfant. Toi, n'en pas me dire. Mais ils ont eu l'enfant. Pas me dire. Mais ils ont eu les problèmes. La pas me yé la mère. Si c'était à refaire, à l'arrière, les bras mal rés, ils n'allaient plus faire. Mais la Bible dit, ah oui, tout ce qui est écrit, c'est écrit pour notre instruction. L'enfant de la promesse, Isaac est venu. Près de 25 ans plus tard. Mais il y avait un problème. Sont précipités. Et c'est pour cela que Dieu te dit ce matin. Garde le silence. Ne te presse pas. Ne te presse pas de te marier. Est-ce qu'on m'entend? Alléluia. Oui, parce que l'autre m'a balancé. Et je veux que l'Éternel n'a qu'à combattre pour moi. Peut-être qu'il n'a qu'à le punir. Ou bien qu'il n'a qu'à perdre son travail. Non, c'est pas comme ça qu'il va faire. Dieu te dit, garde. Mais ça ne veut pas dire. Parce qu'on t'a abandonné. Celui qui vient là. Mademoiselle, vous êtes Julien. J'aimerais vous épouser. D'accord. C'est pas comme ça. Si tu fais comme ça, il y aura un jour où tu voudras sortir. Mais que Dieu nous garde. Et que Dieu te garde. Ne nous pressons pas. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Dans le calme. Dans la confiance, en comptant sur Dieu, que Dieu est Dieu et il agira à ma faveur. Et il faut garder ce calme. Restons dans le silence. Dieu disait à son peuple dans 2 Chroniques 20, verset 15, il parlait au roi Josaphat et son peuple. Et il leur disait, ne craignez point, ne vous effrayez point de cette
multitude nombreuse. Ce ne sera pas vous qui combattrez. Ce sera votre Dieu. Alléluia. Une armée. Sodas. Beaucoup de peuples qui se réunissent pour venir combattre le peuple d'Israël. Et la phrase que Dieu va dire, ne craignez pas. Ne vous effrayez pas. Parce que je vais combattre. Ce que vous allez faire, c'est de me louer seulement. Louer seulement. En disant, l'Éternel est miséricordieux, il est grand. Et le reste là, c'est moi qui vais faire ça. C'est moi qui vais faire ça. Vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. Tenez-vous. Tenez-vous là. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Alléluia. La délivrance que l'Éternel vous accorde. Et en effet, la auto, ils ont vu la délivrance. Pendant qu'ils louaient, Dieu a envoyé son esprit de confusion. Et le peuple était dans la confusion. L'ennemi était dans la confusion. Et ils se sont entretués. Et Judas a été libéré. Ce matin, le Seigneur te dit que tu verras sa délivrance. Vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Vous allez le voir dans vos yeux. Parce que Dieu est Dieu. Si nous gardons confiance, si nous restons fidèles, nous allons voir par nous-mêmes. Tenons-nous debout et confessons notre confiance en notre Dieu en lui disant tout simplement, je vais rester ferme, je ne vais pas aller à gauche ni à droite, je vais rester sur place en comptant sur ton secours, et je crois que tu agiras selon ta parole et je verrai ta délivrance. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ce moment. Merci pour ta parole. Merci pour ton peuple. C'est ce que tu nous dis de faire. Tu nous demandes de garder le silence, de rester calme, d'avoir confiance, de mettre notre confiance en toi, notre foi en toi, parce que c'est toi, le Dieu fidèle, qui agit à tout moment, qui libère à tout moment. C'est pour cela, Seigneur, ton peuple. Nous confessons à toi seul. C'est ce que nous attendons par la foi en ton nom, au nom puissant de Jésus, roi des rois, que toute personne qui a quitté le lieu pour aller chercher secours ailleurs revienne par ta puissance, au nom puissant de Jésus, que tu les ramènes par ta puissance, par ton esprit, au nom puissant de Jésus. Sois loué, Père. Sois célébré. Oui, Seigneur. Que ta parole soit scellée dans nos cœurs. Nous gardons ta parole dans notre cœur afin de réussir. Loué sois-tu, Père. Au nom puissant de Jésus. Amen. Sois béni. Merci pour ton peuple. Merci pour tes enfants.
Je prie en ce moment que tu les conduises pas à pas, Seigneur, durant la vie, durant la semaine qui est devant nous. Nous croyons, Seigneur, à ta protection. Nous croyons, Seigneur, à ta couverture. Nous croyons, Seigneur, que tu vas pourvoir à tous égards. Oui, Seigneur, béni sois-tu pour ce que tu fais pour tes enfants. Nous les couvrons du sang de Jésus et nous proclamons ta victoire. Que ton peuple voit ta délivrance et que ton peuple te donne gloire. Nous te disons merci pour tout ce que tu as accompli au milieu de ton peuple et que toute la gloire soit à toi au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi.